Je vous la comme un pro, c'est d'ouvrir le Rodourou à un club amateur du 22, faire vivre un rêve extraordinaire, c'est-à-dire fouler la pelouse du Rodourou, tout le monde la connaît, c'est une des meilleures de France. Jouer dessus quand on est amateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'idée, c'était pas de donner les clés à un club et puis nous partir à la pêche, c'est d'être avec eux et que, faire en sorte que ça reste dans les esprits pour de très très longues années pour tous les joueurs qui auront cette chance. Cinq. Loire-Gat. Est-ce que Loire-Gat est là? Ils sont là, on peut les applaudir. Bonsoir à tous, je suis Guy Comand, président du club de l'USMB Loire-Gat. Honnêtement, je ne sais même pas quoi dire, parce que je pense qu'un truc comme ça, on ne s'y prépare pas. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend dans la suite, vraiment. Donc, merci en tout cas déjà pour cette initiative, c'est vraiment c'est unique et c'est à vivre, à profiter. Merci en tout cas. Je veux dire quand même que le gagnant, hein, donc vous allez jouer un dimanche, voilà. Bon, vous serez accueilli à partir de 11h avec votre équipe, vous ferez un petit tour de stade tranquille, vous aurez le menu sportif qui vous attend au stade du Rodourou, comme si vous étiez évidemment des pros. Voilà, donc tout est évidemment prévu pour le groupe, hein, 25 personnes pour vous restaurer le midi. Ensuite, vous aurez bien évidemment vos matchs. On met à disposition du club tous les LED, donc il faudra que vos partenaires seront aussi, on va se rapprocher de vous pour qu'ils aient leur pub sur les LED. Vous aurez les écrans géants, vos joueurs, vos figurants. Vous aurez aussi le speaker d'en avant-guingant qui sera là bien évidemment pour chauffer un peu votre public durant cette rencontre. Vous aurez la salle de presse, conférence de presse pour l'après-match. Et là, vous aurez les journalistes qui ont prévu de venir vous voir après. Voilà, j'espère que ce sera un bon moment. OK ? Donc, on vous donne rendez-vous au mois de mai.